Nous allons méditer ce matin et dans le livre des Proverbes. Proverbe 11, le verset 29. Celui qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent. Et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Celui qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent. Et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Waouh! Texte a rempli avec diamant. Il y a des diamants qui n'ont un texte. Chers amis, chers parents, l'éprouver que tout petit monde ouais qu'a fait succès, tout petit monde ouais qu'a brillé, yo sorti nan yon foyer côté yo te joint encadrement avec accompagnement parents, un foyer de qualité, un foyer côté yo monté estime de soi timon yo. Michael Resnick de l'Université du Minnesota avec Peter Biermann de l'Université de Caroline du Nord. Yo se deux chercheurs et chercheurs sa yo, yo fait une étude sous 90 000 adolescents qui est âgé de 12 à 18 ans. Yo interrogé Timoun Sayo et yo suivi Timoun Sayo de chercheur yo. Yo suivi Timoun Sayo et yo interrogé yo pendant plusieurs années. Ou konn ki sa yo constaté? Yo vin constaté que plus Timoun Sayo demeure en contact avec parents yo, avec famille yo, plus yo réalisé que les taux de violence chez les jeunes li baissaient complètement. Usage de drogue, grossesse précoce, alors grossesse avant l'heure, plus yo joignent ni niveau bas. Ça c'est un constat que yo fait, chercheur. Si moun ki plus proche paran yo gen an pil chans pou yo réussi. Alors, c'est pas sans raison que créateur a créé la famille qui c'est institution qui plus ancienne et c'est une institution bénie des mains de Dieu et sacrée. Et c'est pas sans raison tout que la parole de Dieu dit nous, dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant sur le chemin à suivre. Il ne s'en éloigne pas, même une fois vieux. C'est ça, étude là-bas, nous. Étude de chercheurs, ça y est, Michael Kesnick avec Peter Biermann, plus ti moun arrêté en contact avec famille, plus taux de grossesse précoce baissé la caille ti moun sa yo. Taux usage alcool, drogue, violence, etc.
li nettement baissé. Alors, ti moun yo besoin yon foyer aimant, yon foyer accueillant, yon foyer agréable, yon foyer de qualité, yon foyer côté que l'amour a circulé. Attention, moi pas dit ti moun yo besoin yon foyer riche, non. C'est différent, oui, entre foyer riche avec l'argent. Avec un foyer rempli d'amour. Quoique foyer au besoin l'argent pour fonctionner. Mais attention, c'est pas l'argent qui doit avant. L'argent pas jambe rive prend place l'amour. L'argent pas jambe rive prend place affection. L'argent pas capable de prendre place des mots d'amour, des mots qui réconfortent, des mots qui rehaussent l'estime de soi de l'enfant. Non, non. L'argent pas capable de faire ça. Parce que il y a un pile d'enfants riches qui suicident. Il y a un pile d'enfants riches qui ont dégoût parce qu'ils ne peuvent pas mettre l'amour dans mes parents. Ah, si vous avez tout gadget, tout sale besoin, mais l'enfant, il a besoin de l'amour. Ah oui, le texte que je viens de lire ce matin, aujourd'hui, 27 octobre 2021, est un appel aux parents pour qu'ils arrêtent de troubler leur maison, de troubler leur foyer. Conséquences graves, conséquences fatales, conséquences lamentables. Sous la vie timonio, le parent yo a troublé foyer yo, et c'est ça la parole de Dieu dit nous matin. Hein? Là yon papa avec yon maman troublé foyer yo, ou expose la vie timonio, ou mette la vie timonio en danger. Je reprends le texte pour vous, parents. Écoutez le texte. Proverbe 11, verset 29. Celui qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Comment alors yon parent ka trouble foyer? Comment? Eh bien, yon parent ka trouble foyer avec des menaces. Yon parent ka trouble foyer avec des provocations. Yon parent ka trouble foyer li avec des messages de mépris. Le yon parent a fait promotion pour yon ti moun, li pi remè, tandis que li méprisé yon lot. Ah, ou trouble foyer? Ah oui, ou trouble foyer? Des parents qui vicieux en pile. Mm-hmm. Ah oui. Depuis li ouais, yon nan ti moun yo ta bay comme bonnet. Oh, li fait promotion pour li. Et li néglige l'autre là. Et pour di l'autre là qui sont vous ou même. Ah! Ou va rendre compte que c'est loin. Ou va mener sou foyer. Pourquoi ça veut dire vent? Parents, si vous croyez ça, la parole de Dieu dit où? C'est vent. Ou emmagasiner, c'est vent, ou gagner comme héritage dans le foyer. Quelle mauvaise image, hein? Image de vent. Vent. Ou comme ça qui dans figure ça? Qui ça signifie parent? Vent, attirer vent en dans un foyer, dit le texte. Et bien, même décortiquer le mot. Il signifie déception. Un foyer qui a toujours connu déception et les enfants seront déçus. Foyer a des déceptions. Foyer a des pertes sous toute forme. Foyer vide, ge foyer ouais.
gon semblant mais foyer a vide et vent ou attiré sous foyer futilité en pile l'autre bagay encore. Ah, la liste pourrait beaucoup s'allonger. Bon, je dis, nous pas ouais depuis nous retirer la famille, nous pas ouais dans la société haïtienne surtout depuis là nous reléguer la famille en arrière-plan, nous retirer nous bon, la famille presque effacée en Haïti comme institution sacrée dans société là. Nous pas depuis là nous prendre la famille, nous retirer la famille, nous pas ouais c'est dégâts dans société là. Nous pas ouais c'est désastre qui gagne dans pays là. Nous pas ouais c'est vent nous récolter dans pays là. Nous pas ouais c'est armes, hein, nous pas ouais c'est prolifération de gang partout. Ah, parce que nous pas prend parole bon Dieu à cœur. Nous préférons prendre la parole de Dieu, nous virer la tête en bas. Pour nous faire affaire pas nous. Même soi-disant moun qui dit yo c'est pasteur, yo ignorer la notion de famille. Yo pas gagner le sens de la famille. Une société à l'envers. La société haïtienne n'a vive actuellement là, c'est une société à l'envers. Une société tête en bas. Attention, tenez-vous bien, la famille fait l'équilibre d'une société. Amen, alléluia. La famille, pas bon ici, yo pas respecté la famille. Et la famille pas signifie rien pour autorité, pas bon ici. D'ailleurs, autorité pas bon ici, yo. Alors, toute autorité qui passe dans le pays d'Haïti, tout net, yon contribué dans la destruction familiale, les pirates de nos jours. Le nous prend Timoun 10 ans, qui t'a supposé souvent l'école à apprendre, Timoun 12 ans, dans la préadolescence, yon pas joué adolescence, yon non. Et si moun 14 ans, 16 ans, 20 ans, nou a olé yo. Quelle méchanceté calculée. Nou a olé yo. Nou ba yo zam pou détrui l'autre moun. Empêcher l'école fonctionner, empêcher la vie fonctionner. Nou pa contribuer nan destruction cellule sa ki si important pour une société équilibrée qui c'est la famille. Que bon Dieu fait avec propre main, c'est avec propre main créateur où il fait la famille. C'est pas un ange qui dit à instituer la famille, non, c'est avec propre main il chérit la famille. Cette belle institution est là depuis la création et nous détruit et nous pas ouais, c'est vent nous récolter. Tout ça, bon Dieu dit, nous changer, nous faire le fond de l'autre bagaille, nous virer, nous contourner toute parole, bon Dieu. Nous contourner tout ça, bon Dieu dit, nous faire affaire pas nous dans la société, nous perdre depuis ça. Non seulement le monde blanc et vent fonctionner, les récolter, mais nous même dans la société haïtienne, c'est avec nous. Il y en a pas, les méditations, ça c'est pour nous particulièrement. Nous perdre ces vents, nous gagner comme héritage en Haïti. Et chef gang, yo, matin, m'a parlé avec nous. Obéis à la parole de Dieu, tendez. Quittez Timounio à l'école, tendez. Baye Timounio une chance pour gagner un héritage solide, tendez. Baye maman, papa, petite possibilité pour vaquer à l'occupation, tendez. Libérez pays à matin, tendez. Parce que nous avons un héritage vent, désolation. Désolation dans un pays et la nourriture se trouve à manquer. Gaz, pas de gaz. Pain, le petit pain se fait rare.
Gade, libere route Matisan, tande? Libere route sud la, tande? Libere département yo, tande? Libere pays, tande? Respecte cellule sa, vivante sa, ki se la famille, tande? Parce que la famille, c'est une institution divine et sacrée. L'enfant qui reçoit une éducation fondée sur les valeurs chrétiennes et qui dirige sa vie en obéissant à ses parents a l'avantage de chance de réussite dans ce monde. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pas rien à sortir de là. Ti moun qui respectait maman avec papa, ti moun qui évoluait dans un foyer, m'a dit riche non, mais riche de préférence en amour, en affection, riche d'amour et d'affection, ti moun sa yo, c'est ti moun construit. Ti moun sa yo a plus possibilité pour équilibrer, pour stable, pour mature dans relation avec entourage yo. Parents, suspendre récolte vent, tendez dans le foyer nous. Que l'amour règne dans les foyers, l'amour bienveillant. Parents du monde entier, spécialement parents haïtiens, demandez aujourd'hui, dans votre prière, au Seigneur de vous aider à vivre cet amour. Dans votre maison, pas attirer vent dans le foyer. Et c'est ça la parole de Dieu dit. Je reprends le texte de ce matin pour conclure. Je reprends le texte de ce matin. Proverbe 11, verset 29. Celui qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent, et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Soyez richement bénis.